Je leur parle tout le temps, je leur dis qu'ils vont se maintenir, qu'il n'y a pas à s'inquiéter. Après, tout ce que le club il a fait, c'est pas vous, vous allez le faire descendre quand même. Restez en Ligue 1 pour le bien de tout le monde et je m'inquiète pas de toute façon. L'interview santé, c'est carré. Les Verts, ils ont une grosse place dans mon cœur. Que ce soit les supporters ou le club, ils ont fait partie de ma vie d'homme, pas que ma vie de footballeur. Donc ils auront toujours une grande place. Le public, c'est extraordinaire. Le temps. C'est une catastrophe. C'est l'Angleterre, mais en bien agressif. Hein. Gambardella, avec cette génération, c'est incroyable. Je suis parti dans la cuisine un soir. Bon, ça, coach Sablé, s'il voit cette vidéo, il sait parce que c'est le seul qui m'a attrapé. Il m'a pas dénoncé. Et c'est un vrai de vrai. Parce que je suis parti dans la cuisine le soir, on avait grave faim. Et moi, j'avais besoin d'argent. J'ai volé les glaces et je les revendais. 1 euro la glace. Je n'étais pas payé, moi. Je n'étais pas sous contrat. J'avais pas un contrat payé. C'est que la deuxième année que j'ai eu un contrat payé, c'est-à-dire la première année, j'avais pas d'argent. Quand les supporters ils sont venus au centre d'entraînement, ça c'était un truc de fou ça. Parce que j'ai eu très peur moi. Ils allaient me casser la gueule. Ils sont venus au centre d'entraînement, ils étaient énervés parce qu'on faisait que perdre. On était pas bien classés, donc ils sont venus pour nous mettre un petit coup de pression pour nous dire de nous réveiller. Et ça c'était un truc de fou ça. Mon joueur préféré chez les Verts, Madi Camara. C'est mon joueur préféré, y a pas besoin de dire plus. La mentale, tout. Ouais, je pense que ça va se faire. Je regarde toujours leurs matchs et j'ai vu, déjà, ils ont une belle équipe, ils ont fait de beaux recrutements cet hiver. Le coach qui arrive à recréer quelque chose avec ce groupe, et je pense qu'ils l'ont là avec Pascal Dupraz, donc je crois en eux, j'espère qu'ils vont le faire. Je doute pas, de toute façon, je sais qu'ils vont se maintenir. Je leur parle souvent, franchement, moi je suis souvent en contact avec eux, et que ce soit avec Denis Bouanga, Lucas Gournard, Arnaud Nordin ou Madi Camara, je suis beaucoup en contact avec eux. Et je leur parle tout le temps, je leur dis qu'ils vont se maintenir, qu'il n'y a pas à s'inquiéter. Les gars, vous savez ce que vous avez à faire, s'il vous plaît. Descendez pas. Après, tout ce que le club il a fait, c'est pas vous, vous allez le faire descendre quand même. Donc voilà, restez en Ligue 1 pour le bien de tout le monde. Et je m'inquiète pas de toute façon.